Bienvenue à toi, aujourd'hui je vais te présenter une map golf, enfin présenter, on va surtout jouer sur une map golf. Bien sûr le code il est dans la description et s'affiche aussi en haut de l'écran normalement pendant toute la map. Sur cette map golf j'ai vu un petit peu le principe de la map, donc en gros je sais un peu comment ça marche. Mais je me suis pas spoilé les niveaux, c'est à dire que je les connais pas. Donc je vais les découvrir en même temps que vous, donc c'est pour ça que je vais présenter la map en même temps de la visiter. Si t'as pas envie de te spoil, le code il est dans la description, donc tu peux aller directement y jouer maintenant. Et pour les autres on est directement parti dans la map. Alors là on est directement dans l'accueil de la map, donc c'est à dire bah là en gros on spawn et en gros toutes les 30 secondes il y a un nouveau circuit de golf en gros. Donc là next circuit in 30 secondes, donc là on a 30 secondes pour pouvoir visiter un petit peu. Et ici on a les niveaux, donc là on gagne des golf quand on passe des niveaux. Et là on a le score, donc le but bien sûr vous connaissez le golf, c'est d'avoir le moins de score possible. Voilà, pour ceux qui n'ont pas compris la map, comment est-ce qu'on pouvait jouer. En gros là je peux pas avancer, mais en gros mes pieds glissent, c'est à dire que je dois me propulser avec une grenade. Et mon but ça va être de voilà passer par dessus. Donc là il y a de l'eau qui m'a tué. Et le but bah, c'est d'aller sur le drapeau comme une map golf, en fait comme dans du golf, sans se faire tuer. Donc là voilà, si vous n'avez pas compris, on doit se propulser avec les grenades. Et plus on utilise de grenades pour réussir le niveau, bah plus tu perds de points. Et plus justement bah tu seras moins bien classé. Donc cette map vous pouvez la jouer à plusieurs, donc du coup ça peut être pas mal si jamais vous voulez faire un petit concours de golf avec vos potes, etc. Là j'ai clairement trop la rage, hein, clairement de louper les drapeaux alors que j'y étais. Ok c'est bon. Et donc là normalement une fois qu'on a fini le truc, on respawn ici et là on a un prochain circuit dans 30 secondes. Donc en gros 30 secondes après on aura un autre circuit. Alors aussi je crois qu'on peut s'acheter des circuits avec de l'argent, donc avec les golds on peut s'acheter des circuits. Alors j'ai pas essayé, donc on essayera peut-être plus tard. Et là vous voyez que j'ai moins 8 de score en fait, parce que j'ai utilisé 8 répulsives pour réussir le niveau. Sachant que si on utilise 20 répulsives, parce que j'avais essayé, et ben le niveau il est obligatoirement raté. Ok on va y aller comme ça, on va faire le tour du truc pour après arriver là. Et là ok ouais. Ok, oh on est trop chaud, non. On est passé juste à côté, bon tant pis. Je vais là, voilà, doucement, comme ça. Et là normalement ça passe, aïe aïe aïe. Aussi on a un petit chronomètre, donc c'est à dire qu'il faut le faire dans le temps imparti. Donc si on le fait pas dans le temps imparti, le niveau bah il sera raté justement. Doucement, 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 doucement. Doucement ça va passer, mais non. Et là je crois que c'est ma dernière répulsive. Et du coup, voilà, comme j'ai utilisé les 20 répulsifs, ça nous refait respawn directement là. Et là du coup on a perdu 22 scores. Donc là on est à moins 28, donc c'est très très mal. Ok, donc le prochain circuit dans une seconde. Alors ça va être quoi? Ok, on va voir directement ce que c'est, on va y aller. Ah oui d'accord, je pense qu'il faut monter en mode comme ça. Voilà, faut monter et après aller au-dessus, ouais. Ok, let's go, on a réussi à monter un étage. Le deuxième étage peut-être. Ok, let's go. Là, je sais pas ce qu'il y aura en haut, donc ça se trouve on va se faire sentir. Il y aura des trous, ok voilà, il y a des trous. Ok, on les vesquille, on les vesquille, on est trop chaud. Non, non, là par contre c'est impossible. Ah oui, non, ok, d'accord, donc il y a des trucs d'air. Il y a des trucs d'air si on y touche, ok. Aller là, non je l'ai raté, c'est reparti pour recommencer. Donc là aussi ouais on a un niveau genre de checkpoint, donc c'est à dire que je recommence pas du début, je recommence là où j'ai bah où j'ai échoué tout simplement. Ok donc on est là, on va arriver ici. Non, oui je l'ai eu. Ok ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. Non je l'avais. Ah dommage. 4 secondes, 3 secondes, 2 secondes. Et du coup voilà, il y a un temps imparti aussi. Et quand on réussit pas on perd 20 points encore. Donc là je suis à moins 48 de score, c'est désastreux. Alors qu'est-ce qu'on a? On a des tuyaux, un peu comme dans Fall Game en fait. Bon bah j'ai raté le niveau, bah j'ai été resté coincé dans un tuyau, bon c'est pas grave. Mais directement le score là, encore moins 68 là, ouais, moins 68. Essayez vraiment de faire mieux, si vous faites pas mieux, vraiment, c'est désastreux. Prochain niveau, on a encore les tuyaux, donc en gros là, en gros c'est vraiment des niveaux qui sont aléatoires. Donc c'est à dire qu'on peut avoir deux fois les mêmes niveaux, donc là... J'ai re le niveau des tuyaux. Ok, directement on arrive enfin. Donc là on a fait tous les tuyaux, reste 10 secondes, vite 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 vite. Et je l'ai enfin réussi ce niveau. Un niveau, donc mon premier niveau de réussite. Ah non, mon deuxième niveau de réussite. Bon j'ai utilisé beaucoup de répulsifs et tout, mais on l'a réussi. Et là on a fait directement 5 niveaux, donc on a gagné 20 gold en plus. Et juste là on va directement voir pas si on achète les trucs qui sont là, donc on va directement le faire. Donc là on se retrouve sur un niveau de roller coaster. Et en fait il est plutôt facile, en gros vous avez juste à vous laisser aller dans le roller coaster. Et après à la fin on arrive là, j'ai utilisé pas beaucoup de répulsives et le niveau était assez simple. En fait le truc qu'on pouvait acheter tout à l'heure c'était des choses qu'on peut mettre sur les pieds et en gros bah ça fait plus joli. Et donc c'est un petit peu des trucs de mode, je crois que ça doit servir à ça. Donc là par exemple j'ai 110 de gold, si j'achète les trucs de musique là j'aurai des trucs de musique aux pieds. Voilà effectivement, et du coup bah je trouve que ça fait plus joli en vrai du coup quand on se déplace. Et donc du coup bah voilà c'était ça qu'on peut acheter. Sinon on a encore un niveau à faire, donc là le truc ça doit être de monter là. Ok donc là j'ai réussi à tout monter, on arrive à la fin. Donc là normalement je devrais réussir si je tombe pas. Non il y a des barrières invisibles du coup on peut pas tomber. Du coup let's go. Donc on a réussi le prochain circuit. Et puis on va s'arrêter là sur la map, parce que sinon je vais découvrir tous les circuits. Et du coup vous connaisserez tous les circuits, du coup ça sera moins drôle pour vous.
T'as fait quoi à manger? Oh, d'accord. Donc du coup c'était tout pour cette présentation, surtout test de map. En tout cas, si jamais tu veux jouer, bien sûr le code il est dans la description, je le répète. Et si jamais ça t'a plu, n'hésite pas à liker pour mon référencement, à t'abonner, vous êtes plus de 87% à regarder mes vidéos et ne pas être abonné. Et ça me soutient énormément, donc n'hésite pas, en plus je fais 2 vidéos par semaine. Enfin bref, aussi si t'aimes le mode créatif, j'ai un serveur Discord communautaire qui est dans la description sur le thème du mode créatif. Donc si jamais ça te plaît, n'hésite pas à le rejoindre. Et puis sur ce, c'était l'accès, n'oubliez pas que c'est vous, les boss dans le créatif. Ciao.